Coucou Swan. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et mes copains, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La chasse aux escargots. Oui, ben oui, là il y a un beau soleil, mais tout à l'heure il pleuvait. Beaucoup, beaucoup. On voit qu'il y a encore de l'eau même sur les feuilles. Donc les escargots sont sortis et c'est le bon moment pour aller les chercher. Oui. T'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Regarde, il y a une limace. Une limace? Là? Ah oui, oui. Elle est petite, hein? Oui. Une mini limace. Bon, s'il y a une limace, il doit y avoir quand même des escargots pas loin aussi, hein? Oui. Ah, je crois qu'on en a trouvé un. Oui. Tu le vois, Swan? Non, je vois pas. Il est là, regarde, il est caché derrière la feuille. Ah, avec une limace. T'as vu ça? Bonjour monsieur l'escargot et bonjour madame la limace. Ils se sont mis ensemble. Regarde, ils s'étaient cachés derrière la feuille. Ah voilà. L'escargot. Tu le mets dans ta boîte l'escargot? Oh, salut monsieur l'escargot. On t'installe dans ta boîte. Le premier escargot de la chasse aux escargots de Swan. On essaie d'en trouver d'autres? Oui. Allez, on essaye. T'en as trouvé un autre? Oui, un gros. Un gros? Oh là là, oui, il est beau aussi. Allez hop. Alors ceux-là, on les appelle des petits gris, les copains. Bon, ce sont les escargots qu'on trouve le plus couramment en France quand même. Hein. C'est regarde, il y a des petits aussi, tout petits, petits, petits. Oui. Oui, oh, boum, boum, boum. On va peut-être pas les prendre les petits, ils sont trop petits. On va pas les embêter. Hein. Encore une limace. Il y en a beaucoup, hein. Et regarde, j'ai un bourdon. Un bourdon aussi? Il est où le bourdon? Oh, il est beau. C'est vrai que même quand on cherche des escargots, on trouve plein d'autres petits animaux très mignons. Des insectes. Oh, que c'est joli. Encore un? Oui. Oh, il est plus petit celui-là. C'est un moyen escargot. Toc. Voyons voir. Ah oui. Un de plus. Il se repose, hein. Il se repose. Oui, il est un petit peu plein de terre, celui-là, mais il va se nettoyer. Je pense qu'il va s'auto-nettoyer. Il y a beaucoup de limaces, surtout, hein. Regarde, Swan. Il y a une là. Hop. Et encore une ici. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de limaces. Et là, c'est une petite limace avec son ciré jaune, là, et son doudou dans les mains. Est-ce que là aussi, c'est une limace? Et non, c'est Swan, c'est pas une limace alors. On aurait dû faire une chasse aux limaces, parce qu'effectivement, là, il y a du choix. Hein. C'est pas ce qui manque, les limaces. Mais bon, les limaces, c'est moins sympa, hein. C'est plus visqueux à attraper. On aime moins ça quand même. Alors Swan, t'as enlevé le caouet? Oui. Oui, il commence à faire un petit peu chaud quand même, c'est vrai, le soleil est revenu. Ah voilà, on a nos amis les escargots, qui font connaissance. Attends. Il commence à pleuvoir. Oui, j'entends la pluie. Mince, mince, mince. Bah, on va remettre le caouet alors. On va remettre le caouet. Ah, qui c'est qui arrive? Ah, salut. Coucou Néo. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Très bien. Bah oui, ça a l'air. T'étais en train de faire tes devoirs? Oui. Eh oui. Ça y est, t'es disponible pour les escargots? Oui. Allez, à ton tour. Tu nous aides? Oui. Allez, c'est parti. On va en chercher d'autres. On continue. Ouais, je vais trouver un. Alors, oh, il est haut celui-là, Swan n'aurait pas pu le voir celui-ci, hein. Tu veux voir? Oh, pas mal aussi, tu démarres bien. C'est bien. Ah, c'est ah oui, évidemment, évidemment, il y en a un qui essaye de prendre la poudre d'escampette. Ah oui, est-ce que tu vas réussir à le sortir de là? C'est oui. Pas sûr, hein. Si. Waouh, bravo. Super. Alors Swan a remis la capuche vu qu'il pleut. Vous avez trouvé d'autres, les garçons? Waouh! Ah oui, dis donc. Néo, il a bien l'œil pour ça. Super. Je l'ai trouvé encore. Tu peux voir? Oh, il se cache sous les pierres, en fait. Ouais, il faut bien chercher. Et c'est quoi, ces fruits, là? Ça, ce sont des groseilles. Tu peux en goûter à maman? Tu peux en goûter une maintenant, même si tu veux. Toc! Tiens, mon poussin. On peut les goûter comme ça? Oui, tu peux les goûter comme ça. Regarde Néo, il y en a deux même au-dessus de toi. Vas-y, avance encore un peu. Oh, mais c'est pas... Je l'avais pas vu celui-là. Ah, il y en a deux? Oui, oui. C'est pas du tout à celui-ci.
que je faisais référence. Ah, ils sont là-haut. Regarde, ils sont là, moi, ceux que j'ai vus. Attends, je vais te les attraper. Il y en a un là. Ah, hop là. Et puis, il y en a encore un ici. Ouh, c'est loin, c'est loin. Voilà. Attention, ronce. Ouh, ça commence à être sympa, dis donc. Allez, on continue. J'avais trouvé deux. Deux encore? Waouh! Ouais, c'est bien. Ah, on entend l'orage qui gronde. Je pense que la pluie va revenir. Et l'autre, il est là, mais lui, je ne fais pas méfiance. L'autre, on le laisse tranquille. Il est trop loin dans le trou. Waouh, ça en fait pas mal déjà. Oh, ils ont créé des liens, nos escargots. C'est la maman et là, c'est le bébé. C'est possible, mais on ne les a pas trouvés au même endroit, donc je suis pas sûre qu'il y ait un lien de parenté entre eux. Hein. Pour ça. Et pendant qu'on cherche des escargots, qu'est-ce qu'il fait notre petit Walk là, avec sa capuche? Qu'est-ce que tu fais, Swan? Manger groseilles. Oui. Dis donc le gourmand là. Hein? Oui, oui. Les fruits qu'on peut manger directement sur l'arbre ou sur l'arbuste, ce sont les meilleurs. Il y a aussi un lézard. Hop, hop, hop. Vite, vite, vite. Oh, il est beau, hein? Très, très beau. On se croirait à la ferme tropicale, mais en plus petit. Pas certaine qu'ils se laissent attraper, hein. Tu peux tenter ta chance, oh, mais petit. Ils sont rapides les lézards. Hein. Et oui, bien sûr, il va vite. À côté du lézard, il y a un escargot encore. C'est bon, tu l'as eu? C'est bon, je l'ai eu. Allez, un de plus. Du coup, bien sûr, c'est moi qui porte la boîte maintenant que Swan se régale avec les groseilles. Ça en fait pas mal déjà, hein. C'est bien. Ah oui, il était caché sous le lierre. Le coquin. Et hop! Eh ben, dis donc! Regarde! Belle famille, hein! Oui, ils essaient de partir en promenade. Je pense qu'il va falloir leur trouver une boîte un peu plus grande. Ouais! Coucou! Ouh là là! Le petit gourmand! Le petit gourmand pendant ce temps-là! Alors? Ah, bah oui, celui-là, il est facile à trouver quand même, hein! Mais il y en a qui essayent de s'enfuir. Bah oui, ils essayent de partir alors. Ah, Néo, tu l'as trouvé quoi? Avec un escargot bonus dedans. Ah bah dis donc. Il était dedans quand j'ai trouvé. Il y avait un escargot qui était déjà caché là. Bon, oui, je pense que ce seau, il devrait manquer à personne. Il m'a l'air un peu abîmé. On devrait pouvoir mettre les escargots dedans. Et voilà. Ça va faire une avalanche d'escargots. Hein. Bah oui, bah là ils ont plus d'espace et puis en plus pour promener le seau, c'est plus simple. Allez, qui c'est qui porte? Logiquement. Allez, Néo se dévoue. C'est parti. Quand on écarte les feuilles, souvent, hop, on fait des découvertes. Et voilà. J'en ai fait une petite maison. Ah oui, ils ont des feuilles. Dis donc, c'est le grand confort, hein. De la mousse, de la terre. Ah, ils sont bien là. Ouais. Il y en a d'autres là. Allez hop. On les met dans le seau aussi. Oh. Ça fait une belle famille maintenant. Hein. Ah oui, grande famille. Hein. Grande famille d'escargots. Voilà, je crois que les escargots sont bien installés dans leur petit terrarium. On va quand même leur rendre leur liberté, évidemment, hein, c'est-à-dire qu'on va placer le seau au milieu du jardin, là, et puis hop, ils vont pouvoir prendre leurs aises et repartir à leur train-train quotidien. Alors, comment c'était cette chasse aux escargots? Super. Et il ne nous manque pas quelqu'un, là? Je crois bien, Swan. Ah, Swan, t'es où? Yeah. Ah, dis-nous, rejoins. Tu rejoins Néo? Allez, vas-y, petit coquin. Ah, voilà Swan. Alors Swan, comment tu as trouvé cette chasse aux escargots? Super. Super, t'as bien aimé? Oui. On a eu de la chance, il n'a pas plu. Hein, pourtant, on a entendu l'orage gronder, on a eu quelques gouttes, mais ça allait. Maman, est-ce qu'on peut montrer aux copains notre chasse aux escargots d'automne? Notre chasse aux escargots? Oui, oui, je me souviens, effectivement, cet automne, on était en Ardèche. On avait fait une chasse aux escargots incroyable. C'est-à-dire que par rapport à celle-ci... Bah en fait, celle-ci, c'est rien. Hein. Vraiment, on avait, je sais pas combien, on avait trouvé d'escargots, une bonne centaine. On n'avait pas filmé la chasse aux escargots, malheureusement. Par contre, on avait filmé leur évasion, c'est-à-dire leur remise en liberté. Bah d'accord, on va montrer ça aux copains à la fin de la vidéo. Allez, les copains, vous restez bien jusqu'au bout. Il y a une petite surprise à la fin. On vous montre l'évasion de notre dernière chasse aux escargots.
Les copains, est-ce que vous avez déjà fait une chasse aux escargots? Dites dans les commentaires! Pensez au pouce bleu! Et surtout, abonnez-vous! À bientôt les copains! Bye bye! Bye bye les copains, les copines! Et bye bye les escargots, bien sûr! À bientôt! I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever.